Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble ma box Blissim personnalisée du mois d'avril, puisque je viens de la recevoir. Vous savez qu'il y a quelques temps, je vous ai présenté l'édition ambassadrice de la Blissim. Donc je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. J'étais très contente de la recevoir en tant qu'ambassadrice pour la première fois et j'ai beaucoup aimé son contenu. Maintenant, on va découvrir ce que moi j'ai reçu et c'est ça qui est intéressant. Vous débarquez sur ma chaîne, abonnez-vous. Et si vous êtes de retour sur ma chaîne, bah merci de continuer à me suivre. On y va. Donc, je vous remontre très rapidement le design. Vous le connaissez. On est sur un petit thème coloré, je dirais assez fleuri de mon point de vue, mais c'est assez quand même des teintes assez claires. On retrouve le thème de la box qui est le thème Beauty Heroes. Comme dans l'édition ambassadrice, on va avoir la collaboration avec PhotoWeb pour un livre photo offert. Donc ça, c'était vraiment le bonus sympa. Et donc, on va découvrir ensemble les produits et faire un petit comparatif avec la box ambassadrice. Déjà, on va parler des produits en commun. Le rouge à lèvres, puisque c'était un choix du mois. Enfin, je l'ai choisi la teinte de rouge à lèvres Pomponne, qui est un rouge à lèvres mat ou semi-mat. Moi, j'avais choisi la teinte bois de rose, donc effectivement, je retrouve bien ce que j'ai choisi. Ce sont des soins green, vegan, clean, made in France, avec un packaging recyclable. Je préfère quand même cette teinte-là que la plus claire que j'ai reçue dans la box ambassadrice. Je peux vous le mettre à côté pour comparer. Vous voyez la différence, hein ? Le clair est beaucoup plus froid que le bois de rose qui est ici, plus chaud. Je vais vous le swatcher sur la main pour vous montrer ça. Au niveau de la texture, c'est assez crémeux. La teinte est très jolie, donc même pour les beaux jours, c'est une teinte que je peux porter facilement. Ça ira plutôt bien avec ma carnation, on va dire. Donc voilà pour le premier produit qui est quand même un full size, faut le mentionner. Au niveau du tarif, je vais quand même vous le redire. Il est normalement au prix de 26€ si vous n'êtes pas abonné. Il a eu, comme je vous l'avais dit, l'Award Maquillage Indies 2021. 95% naturel, il prend soin de vos lèvres. Il a une formule donc 2 en 1, soin et maquillage. C'est ça qui est bien et on le sent à la texture. Hein. Il répare les gerçures et sublime vos lèvres avec une pigmentation lumineuse et couvrante. C'est assez vrai, hein. C'est un semi-mat, voilà, c'est pour ça que c'est pas mat-mat. Donc on retrouve de l'algue de Saint-Malo, de l'aloe vera, du beurre de karité et du beurre de mangue. Donc vegan et clean. Voilà, donc super pour ce premier produit. Je prends également un deuxième produit que nous avons dû recevoir dans toutes les boxes, puisqu'il était aussi dans la box ambassadrice. Donc vous l'avez deviné, forcément il va y en avoir un pour vous, hein. Je vais pas y toucher à celui-là parce que l'autre, je l'avais testé, ils sont pas operculés. Mais je vous en mets un de côté parce qu'il y a un concours qui va arriver très vite. Et franchement, l'odeur de cette crème corps Delirium Floral Iris Patchouli était plutôt très agréable. C'est un 25 ml. J'adore les petites couleurs du pack. C'est très estival. On aime bien. Aux huiles d'avocat bio et de pépins. Et pépins de figue de Barbarie. Donc, voilà pour le deuxième produit de ma sélection. Je vous l'ai mis ici. Je ne sais pas si à la caméra, vous verrez. Je ne vous ai même pas lu l'édito. Donc c'est un format, le Lécor, c'est un format voyage évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, 25 ml, le format vente fait 75 ml et est au prix de 13,90€ pour les non-abonnés. Sachez qu'en tant qu'abonné Blissim, vous avez à chaque fois une réduction de 15% sur tous les prix. Donc voilà pour le deuxième produit. Allez, on continue avec le troisième produit que j'avais également reçu dans ma sélection ambassadrice, qui est la crème visage auto-bronzante de la marque Mimitika en format voyage, je vais vérifier, mais donc c'est pour donner un hâle progressif. On a combien de millilitres là-dedans? C'est à l'huile de roucou et avec du DHA naturel. Donc le DHA, c'est ce qui va faire que votre peau va bronzer légèrement. Bon alors, j'ai une très mauvaise vue, mais oui, c'est une miniature de 10 grammes. C'est une miniature de 10 grammes. Le format vente fait 50 et est au prix de 18,50€. Crème Bonne Mine permet de bronzer votre peau naturellement et sans exposition au soleil. Elle s'adapte même à toutes les carnations. On adore. 97% d'ingrédients d'origine naturelle et sans composants controversés. C'est plutôt sympa d'avoir ça dans la box. Moi, c'est pas le genre de produit que j'achète. Par contre, quand c'est un petit format comme ça, je teste. Voilà. Alors, est-ce que je vais tester sur le visage ou sur le corps? Je ne sais pas encore. Comme j'en ai deux,
j'ai bien envie aussi de vous rajouter celle-ci dans le petit lot que je vais vous faire gagner très très vite. Restez bien connectés, hein. Quand je fais un concours comme ça, c'est pour récompenser les abonnés, hein, les fidèles abonnés. Et alors, pour les deux derniers produits, puisque nous avons 5 produits dans la Bissim, je ne les ai pas eus dans la box ambassadrice. Je vais commencer tout de suite par un produit visage qui est un sérum anti-imperfection à l'olivier de Sibérie. Donc c'est la gamme Éclat Boréal de chez Polar. Donc c'est un produit que j'ai jamais testé. Alors je suis assez contente. Comment vous dire? Bon, je suis un peu déçue par le format parce que franchement on va pas aller très très loin s'il faut en mettre sur tout le visage. J'ai 5 ml. Le format vente fait 30 ml. On va quand même regarder ce qu'ils nous en disent. Hein. Solution anti-imperfection éclat boréal. Associé à des extraits d'agrumes et marins, ce sérum désincruste les pores, matifie la peau et la retexturise grâce à son action peeling doux. Ça peut être pas mal parce qu'en plus en ce moment j'essaye de désincruster un peu les pores. La qualité de votre peau est visiblement améliorée et votre teint retrouve tout son éclat. 98% d'actifs naturels pour une composition végane et adaptée à tous les types de peau. Donc son ingrédient star, c'est l'olivier de Sibérie, dont le fruit gorgé de puissants actifs est récolté de façon durable pour un effet embellisseur d'éclat. Appliquez 2-3 gouttes matin et soir sur peau propre et sèche, de façon ciblée ou sur l'ensemble du visage. S'utilise seul ou juste avant votre crème de jour. Vu le format, j'aurais tendance à dire je vais l'utiliser de façon ciblée sur les imperfections. Peut-être sur le nez, des choses comme ça. Je vais juste regarder ce que ça donne en termes de texture et d'odeur. C'est assez frais, assez léger. Bon, j'aime bien, c'est pas gras du tout, ça pénètre. C'est pas mal. Ça me fait penser un petit peu au sérum anti-imperfection justement de Garancia, qui est très très bien. C'est un peu dans le même esprit. Ok. Le dernier produit que j'attrape, alors ça a l'air d'être la marque Indola. C'est un shampoing solide. Alors je suis pas hyper emballée par ce produit, donc c'est Act Now, c'est marqué dessus, Acne Now. C'est un full size je suppose. Que nous dit-on? Qu'il est normalement vendu 9 € pour les 60 grammes. Adoptez ce shampoing pour une crinière souple et nourrie. J'en ai déjà reçu un il n'y a pas longtemps, un shampoing solide. Ah oui, dans la Splendiste aussi. Bon, tant vous dire que la collection de shampoings solides s'agrandit. Hein. Sa formule végane et plus respectueuse de l'environnement élimine les impuretés, les résidus et laisse vos cheveux doux et légers grâce à son ingrédient star, le beurre de karité. Il est adapté à tous les types de cheveux et est formulé sans silicone, tensioactif sulfaté ni colorant artificiel. Son pH adapté aux cheveux colorés permet de préserver la couleur et l'éclat. Ça a l'air pas mal. Faites mousser le pain entre vos mains, puis appliquez sur cheveux mouillés en massant délicatement. Rincer et admirer le résultat. Donc ça se présente comme ceci. C'est un pain avec une forme un peu de larme. Plutôt agréable à prendre en main. L'odeur, ma foi, est pas désagréable. Mais c'est pas non plus une odeur de ouf. Hein. On fait le bilan de cette box. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçue par rapport à la box ambassadrice que j'ai pu recevoir. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pourtant, je n'avais pas la bonne teinte de rouge à lèvres dans la box ambassadrice. Je vous remonte ce que j'ai reçu dans ma sélection. On a le rouge à lèvres pomponne en full size, la crème corps Baija Delirium Floral, la crème visage autobronzante Mimitica, le petit sérum anti-imperfection de la marque Polar. C'est quand même une belle box. Le shampoing solide Indola. Et le petit code pour le livre photo sur PhotoWeb. Alors, je pense que si j'avais pas reçu la box ambassadrice, je serais satisfaite de ma box. Là, je dois dire que par rapport au parfum que j'ai eu dans la box ambassadrice, je suis un petit peu sur ma faim. C'est vraiment, je pense, le produit qui fait la différence entre les deux box. Je trouve que ça a apporté un plus d'avoir ça dans la box. Ma question, c'est donc, est-ce que y en a qui sont abonnés à la Blissim sans être ambassadrice et qui ont reçu le parfum Juliette Has the Gun? J'aimerais bien le savoir parce que pour l'instant, j'ai échangé avec vous sur Insta, sur les réseaux ou en commentaire de mes vidéos et je crois savoir qu'il y a peu, très peu de personnes qui ont reçu ce parfum. Donc je me dis, si la box des ambassadrices n'est pas composée de la même façon que la plupart des box, c'est dommage. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, la box que j'ai reçue par rapport à mon profil beauté est quand même très très bien. Je rappelle que Blissim, c'est un abonnement qui est à 14,90€, frais de port inclus, pour 5 produits format voyage. Sur les 5, j'en ai quand même 2 en full size. C'est adapté à mon type de peau, c'est adapté à mon profil, il y a des bonnes compos. Donc, on peut pas se plaindre. Et en plus, on a un 6e cadeau. Donc franchement, elle est bien. Voilà, j'avais juste un petit bémol
par rapport au contenu que j'ai eu dans la box ambassadrice. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles et garçons. Je suis toujours curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, mais abonnez-vous. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et pour un petit concours. Ciao ciao, les filles et garçons.